Bah parce qu'ils sont trompés dans le lancement. C'est comme ça que je goûte, quoi. Un simple tube de dentifrice ne ferait pas l'affaire. Donc, ce que je peux faire, c'est te présenter deux superbes amies. Elles sont belles, mignonnes, adorables, douces. C'est vrai? Oui, bien sûr. Ah! Non, mais m'attaquez pas, non? Ah, les filles sont très douces. Allez, hop, stop. Allez, on arrête. On commence le cosplay pour de vrai. Bon alors, aujourd'hui, nous avons le cosplay individuel. On a des filles, des garçons. On a un jury qui est juste là. On va avoir aussi un prix spécial de la part de l'association Kawaii. Et on a aussi besoin d'un prix pour le public. Donc on va avoir besoin de quelques personnes sélectionnées en public. Oh, c'est dur de courir. Et donc... on a notre charmante mascotte ici qui va sélectionner quelques personnes pour faire le public, le prix, le jury. Une personne, d'accord, donc une seule personne. C'est pour ça que tout à l'heure, il parlait de la finition, vous voyez. Ça fait tellement longtemps. Donc, notre poupée, notre mascotte... laquelle va se décider à aller chercher une personne dans le... Ah oui, c'est toi, bien. C'est elle, déjà là. Salut, oreille de lapin. Non, c'est un renard maintenant. Tout à l'heure, on avait un chat. Maintenant, on a un renard. Bientôt, on aura une belette. Alors... bon, allez, faut se dépêcher, là. Allez, on est en retard. Le coup de peur du public. Non, mais les garçons, vous pouvez baisser les mains. C'est même pas la peine. J'ai dit, c'est comme ça. Ouais. Ah, vive les filles, yo! C'est ma cousine. Elle est dans la cuisine. Elle est née un bon matin dans un berceau de bois. Son père et sa mère étonnés n'en revenaient pas de voir cet enfant bien rose et tendu à la fois, avec un éponge.